Allô, madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont sur chaîne Radio Parler Haïti, Radio La Voix du Peuple. Et c'est un autre plaisir, une autre occasion, je retourne encore sur la plateforme Parler Haïti avec une autre émission. Nous saluons tous les amis qui branchent Radio Parler Haïti, Chanel Parler Haïti. Eh bien, salutations par nous spéciales, que Papa Bon Dieu bénisse nous. Merci en pile avec toute fanatique. Jeudi à qui c'est jeudi, samedi, exactement 12 novembre 2022. Bon week-end pour toute fanatique Radio Parler Haïti. Que bon Dieu fait nous passer un week-end dans la paix. Et ou même qui malade, guérison totale. Merci en pile. On allez. Nous saluons de façon spéciale, personnage. Nous saluons tout le monde qui est handicapé. Nous saluons tout le paysan qui est dans le pays d'Haïti. Tout fanatique qui toujours aide nous partager l'émission tout. Merci en pile. On allez. Et nous saluons Maître Chenel. Maître Chenel, information. Madame, messieurs, c'est gros causé dans le pays d'Haïti. Bouik chargé, pas campé. Partagez pour nous si vous voulez. Partagez. Bandi avec gros armes, moun pa arrivé identifié, kidnappé. Et tale. Avant nous, t'es dans le dossier kidnapping, non? Et c'est là, moi, songe. Nous tapons tant de frères, nous, depuis la France, qui tapent, expliqué nous, hier, dans l'émission, hier soir. Et bien, côté, y'a été kidnappé, yon proche li, dans le pays d'Haïti. Frère, moi, nous dit bon Dieu merci. Et bon Dieu, c'est bon Dieu. Et grande puissance, c'est son grande puissance, et c'est un bon Dieu tout, et qui pas quitter petite li sorti honte. Nous disons bon Dieu merci parce que vous expliquez nous, pour soit libérer Konya, li libérer, malgré même qu'il est libéré contre rançon, mais nous disons bon Dieu merci pour ça. Et, bagala triste, parce que je nous t'attends de la France, les amis de la France t'ont expliqué nous, ils kidnappé proche li, et nous pas jamais t'attendre le vrai, et, moi, je bat tout des amis la France là, je pense que c'est dans le travail, il est occupé en pile. Vous connaissez des fois, il c'est toujours c'est menyo, il est occupé en pile. Nous dépenser ça, mais c'est qu'on y a, c'est nous t'attendons de parler, c'est un proche qui était kidnappé dans le pays d'Haïti. Nous capable comprendre les kidnappés un proche dans le pays ça, comment ça triste en pile puisque bandits au milieu fragile. Et pendant ce temps tout ces amis la France là, nous t'attendons de dire, c'est les mêmes qui t'a parlé avec bandi a t'a parlé avec lui, bah c'est tout ça nous capable comprendre comment ça choque il. Zanmi mwen, bon Dieu capable. Nous dit bon Dieu merci pour ça et nous dit ou tout toujours continuer dans la prière parce qu'en Haïti là compatriote, c'est tout le monde qui a souffert avec question kidnapping ça. Madame messieurs, on a le dossier kidnapping nan continue à taille bandan dans pays d'Haïti. Bandi avec gros amoun pa rive identifié kidnappé environ 5 employés BNC. Yo kidnappé en bas la ville tout près Riel Demirak, pas trop loin Ripavé. Et gen employé sa yo c'est ou libre yo te mandé parmi moun yo kidnappé yo, gen Rencher, gen Sergio, moun yo kidnappé yo tout, gen monsieur qui te monsieur ça lui-même li kon travail nan monsieur son cadre. C'est ton cadre BNC, yo kidnappé en sécurité tout. Eh bien, c'est 5 moun yo kidnappé, madame, mais c'est 5 moun sa yo travaille dans BNC. Et mes amis, n'a pas de libération moun sa yo pressé sans condition. N'a pas de libération moun yo. Bagala compliqué dans le pays d'Haïti. Dossier kidnapping sa pa ka continuer dans le pays. Chaque jour, bon Dieu, mette kidnapping. Goucha bwa ki a fait kob, mache kidnapping moun. Mes amis, fok business sa fini. A ba kidnapping dans le pays d'Haïti. A ba kidnapping. Madame, mais c'est gwo koze dans le pays d'Haïti. Gwo koze, et m'kapab di notion bataille ki gen la. Oui, dans le gouvernement de facto Ariel Henry a eu une grosse réunion hier soir. Dans la réunion, ça et eh bien ministre justice de facto, ministre injustice, excusez-moi, ministre injustice de facto qui est le Berto Dossia. Et bien, d'après information, nous jeunes là, monsieur dans route pour révocation, monsieur dans route pour révoquer, monsieur, malgré nous connaît les en courir, révoquer commissaire gouvernement Port-au-Prince là, Jacques Lafontaine, et chef parquet a perdu job li après. Ariel Henry te pote plainte pour lui devant Berto Dossier. Il reproche Lafontaine de corruption, malversation, acte ou abus autorité. C'est Ronald Richmond, ancien commissaire gouvernement au Kaila, incapable jusqu'à maintenant là, qui remplace Maître Jacques Lafontaine. Alors, nous ne connaissons pas si Ronald Richmond pourra changer d'idée. Maintenant, nous avons parlé là, qui est-ce qui est commissaire? C'est Ronald Richmond. Capable. L'offre d'émission ça là ou plutôt l'offre d'attendre là tout ou qu'attendre le guide changer idée maintenant on a parlé là c'est commissaire Ronald Richmond qui remplace Jacques Lafontaine madame monsieur pas oublier et américain coupé visa 5 gauche à braque qui dans gouvernement de facto Ariel Henry n'a venir avec toute information sur ça talent gagner tout n'a porter pour talent tout nous pas faut attendre côté sénateur
Patrice Dimon qui mandait Joseph Lambert pour le retirer col dans chambre sénat puisque Joseph Lambert dans gang, il dit Joseph Lambert dans question drogue, Joseph Lambert et dans bagaille qui pas bon, il dit les papes continuer accepter Joseph Lambert madame Bessé dans chambre sénat. Nous pas le temps de monsieur ça qu'on parle tard comme ça. On nous continue information madame Bessé, gagne tout leader parti politique petite Dessalines non Moïse Jean-Charles. Moïse Jean-Charles trouvé en tête des gros manifestations dans ville Wanamet et bien manifestation ont été faites hier depuis jeudi qui était 10 novembre non manifestation ont commencé et bien Moïse Jean-Charles lui-même il était parlé en pile Moïse Jean-Charles t'a prélé en Moïse Sekou côté nous pas capable encore avec en bas gouvernement de facto Ariel Henry a gagné plusieurs monde qui blessé dans occasion ça madame monsieur d'après un reportage en entendant plus détails comment ça t'est et bien juste m'a parlé avec quoi là Moïse Jean-Charles déclaré à partir lundi pour le venir là lui-même la fini avec gouvernement Ariel Henry a en entendant des déclarations madame monsieur comment Moïse Jean-Charles t'a parlé un bref reportage avec Junior Saint-Ville. Jeudi 10 novembre 2022, sous invitation coordination départementale Nord-Est Petite Dessalines contre la vie chère, insécurité, et pour mander Premier ministre Ariel Henry quitter pouvoir. Quelques manifestants, dans micro et devant caméra La Voix de l'Amérique, abdinon, principale revendication. Normalement, nous dans la rue, concernant nos crises, population a traversé. Nous avons plus passé de combien d'années? Depuis que nous avons tué, il y a un problème. Nous n'avons pas mangé. Nous avons des problèmes de gaz. Nous avons des problèmes de sécurité. L'argent est tête nègre. L'argent est tête nègre. Nous avons du gaz. Nous n'avons pas fonctionné. Ça, c'est une opportunité qui va nous jouer. Pour nous dans la rue, après-midi, pour nous venir, dire les béton, pour nous sortir de la situation que nous avons. Premier ministre Ariel Henry sous pouvoir dans le pays a continué. Puis loin, Moïse Jean-Charles fait connaître, lui déjà parlé, il a continué à parler avec plusieurs pays, parmi eux, la Russie, avec la Chine, pour aider les Haïtiens goumen, d'après ça le dit, contre force impérialiste qui pavlait Haïti développé. Moïse Jean-Charles. C'est 10 novembre 2022. Nous venons là, nous pas venir pour jouer. Mais son si on baisse le foyer, par le monde entier, yes. Pour me dire nous en danger. Nous en danger. Dans quelques jours, si nous ne faisons pas bien, nous avons besoin de 250 gouttes pour un grain de dollars, les Haïtiens. Son si on vient voyer, pour montrer, nous ne voulons pas mettre, pas d'accord. Avec intervention militaire. Social vient voyer. Pour me dire, messieurs Bankio, si nous battons des raisons, malheur privé nous. Le monde entier, nous ne sommes pas capables de nous. Comme si à nous, ça qui tue l'Amérique, mais tu l'Amérique. Même là, ici, ça qui tue. Un peu y a ça, tu m'as tué. Mais moi, Jean-Charles, nous ne sommes pas là avec la Russie pour nous, comme ça. Voilà, madame, messieurs, ça c'est déclaration leader parti politique Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, qui était en tête une manifestation qui était faite dans la ville de Wanamet. Et, ok, c'est causé que nous pays, ça, monsieur. Communauté internationale a fait gros pression là sous gouvernement de facto Ariel Henry pour yon capable révoquer Rika Pierre pour yon mandé révocation Rika Pierre avec Enol Joseph. Eh bien c'est parmi deux ministres qui dans gouvernement de facto Ariel Henry et yon fait quoi mais c'est ça dans drogue yon dans gang et bien yon dit faut que yon joigne révocation pas oublier Beto Dossier lui-même li révoqué et bien nous capable tendé et Beto Dossier révoqué dans monsieur c'est pas jamais en Haïti en République Dominicaine monsieur malgré la République Dominicaine ou pour elle qu'on y a la li révoqué la fontan. Eh bien, qu'on y a là, d'après information nos jeunes là, monsieur lui-même, il a demandé pour révoquer le tout. Katia Napier, c'est non, une femme, une jeune femme qui gagne seulement, madame Bessé, une dame qui gagne 30 l'année, bandit kidnappé dans sa vanne, et bandit tiré, il a tiré dans sa vanne pistache. Eh bien, il a fini tout, il a dame ça, il a boulé, il a mis 10 fesses sous lui, madame Bessé. D'après maman victime, non, il a quitté, et un petit monde, 9 l'année. Et dame ça qui gagne 30 l'année, il a mis 10 fesses sous lui, il a boucané dame, non, et maman là, qu'on y a là, que dame nan moun ki ton ti moun, capable di nou li pa, sa papa. Bagala compliqué et bien qu'on y a là et maman et ti moun ça
maman dame nak mouyen ki 30 l'année a, il dit ki ça le pour faire qu'on y a là pour lever ti moun ça parce qu'elle pas gagne rien amen et dame nan pas gagne rien t'a fait bagarre la compliqué et bien nèg yo fin touyer et Katia na Pierre yo mette 10 fait sous lit madame monsieur. C'est triste dans pays d'Haïti, triste triste ça qui a passé dans pays a avec question insécurité qui passe spontané banda gang prend pays a. Président République Dominicaine Luis Abinader qui dit lui-même il pas prend pression dans mais international là pour Luis Abinader qui c'est président République Dominicaine non il dit pays République Dominicaine c'est pays qui plus campé avec Haïti parce que tout l'autre pays qui dans monde là il dit comme ça yo pas gain droit mandel faire plus bagaille toujours pour pays d'Haïti et bien il dit lui-même et li pap ka répond avec besoin Nations Unies côté Nations Unies mandé pour yo suspend déporter haïtien li dit li même crise la red dans pays li pap accepter haïtien dans pays li bien li dit fok déportation yo continue et bien Luis Abinader li dit li pap suspend déporter haïtien et bien li fait comprendre haïtien yo ap tourner la kayo. Abinader dit li pap ka continuer supporter pays d'Haïti et bien et d'après information nous jeune là international la Nations Unies. Eh bien, président Luis Abinader, c'est un président qui sous liste là pour yo capable sanctionner information aux jeunes. Eh bien, dans Nations Unies, yo apparaît là pour sanctionner Luis Abinader. Eh bien, puisque monsieur lui-même, les partenaires des Nations Unies qui m'a dit pour yo camper déportation tout haïtien. Eh bien, monsieur ça dit, président Luis Abinader dit lui-même, les pas camper, l'a continuer déporter tout haïtien. Eh bien, pas oublier, hier, yo déporté en pile haïtien parmi haïtien ça yo, gagné comédien Mathias Dantor. Eh bien, qui yo kidnappé, pas oublier Mathias lui-même. Après, nous songe 12 janvier 2020 côté ancien président et président Jovenel Moïse lui-même l'ital jeté un jet flair et bien pour moun qui était mouri 12 janvier 2010 et bien konya la Mathias lui-même était là dans jour qui était 12 janvier 2021 et bien pendant président te fin mettait jet flair Mathias prend flair li voyait le jeté et bien depuis là ça yo te mettait et avis de recherche pour te capable arrêter yo te mettait mandat arrestation derrière Mathias et bien Mathias qui était jeté en République Dominicaine et bien konya la lision nan moun et Luis Abinader déporté. Il y a plus passé 200 haïtiens qui foulent sur là dans hier côté dominicain yo déporté tout haïtien ça fait comprendre haïtien yo pas gain passeport yon et yo pas gain visa bagarre la compliqué madame monsieur dans pays là c'est gros causé Jean Alex avec ti voisin c'est deux bandits ça yo qui mouri et la police tire deux bandits ça yo dans cité Doudoun pendant yo t'a tiré avec PNH là d'après la police yo fait comprendre et bandit ça yo fait partie groupe gang 400 Marozoa la police t'a cherché yo à cause yo te gien droit yo trempé dans assassinat famille des enclos et bien samedi qui était 20 août 2021 et bien ces bandits ça yo qui était touyé et madame monsieur et qui était fait assassinat là sur famille des enclos nous songe et bien la police voyait deux bandits ça yo aller dans pays son chapeau Jean Alex avec ti voisin et bien qui quittait ça et bien côté la police fait au bois glo bouchou et aller dans pays sans chapeau. Alors on va faire nous tendre sénateur Patrice Dumont qui mandé pour sénateur Lambert pour lui démissionner parce que lui dit Lambert si ou gain tout dossier ça au sous dos ou dans gang et ou dans dossier drogue et bien nous pas ka continuer avec ou n'a mandé quitter chambre sénat. Et bien question tout on a posé tête yo est-ce que Joseph Lambert lui-même l'a tendé ça sénateur Patrice Dumont dia. Madame monsieur entendre toute interview côté Patrice Dumont l'état parlé avec un journaliste le point n'a tourné. C'est à travers mon gain, on dit que c'est pour mes bagages là, il faut que nous demandions au président, faut que le président Sénat a démissionné. Et on a été en contact privé avec lui par WhatsApp, et ensuite, moi, contact privé, moi, mettais sous groupe sénateur, et puis, moi, demandé au sénateur, il y a l'autre sénateur tout, qui était préoccupé par ça, qui dit que faut que très rapidement nous parler. Et moi, proposé une réunion sur ça, qui était faite avant-hier, pour commencer à parler avec un six sénateurs, des six sénateurs qui étaient participés à la réunion. Sénateur Lambert était entré un peu tard, la dernière, il prend la dernière partie, moi, je dit pendant une troisième heure de temps, jusqu'à 11h30 pour finir. Et pour nous regarder qu'est-ce qu'il y a à faire. Okay. Qu'est-ce qu'il y a à faire là? Et tu as gagné deux, trois autres propositions, et puis tu as gagné une proposition pas de main. Et comme nous pas capables de joindre un point d'entente pour nous te faire la note du Sénat, que j'ai été fait sous dernier, que nous te fait soit fait
d'intervention étrangère là. Donc, on s'est séparé au milieu de la nuit sous deux trois désaccords. Mm-hmm. Mais comme chacun de nous, les points, les cinq douettes n'ont pas fermé, ils ont pu faire point. Hein. Eh bien, chaque douette, ils sont indépendants, ils sont capables de faire plus ou moins ça, ils sont capables de faire ça, ils fait. Et moi-même, position que nous avons gagné dans la réunion, hein, moi, je voulais le bailler président Lambert et donc dans la matinée. Et moi, posté sous groupe Sénat, et puis il fallait le vendre la lettre publique. Bon, moi, je fais ça à partir du moment où j'étais sûr que le président Lambert était recevoir. Maintenant, avant ça, entre temps, on n'a pas eu aucune communication avec le sénateur là? Avec le sénateur Lambert? Mm. Moi, je dis ça, oui. Non, avant la réunion. Ou pas très lili, par exemple, l'offre de communiquer, ou pas très lili, pour moi de lili, ça passe, et ça le passe, etc. Ou pas de faire ça? Non, moi, lili, et moi, lili trois fois. Et moi, pas joindre lili, et puis, moi, quitté un note pour lui, moi, quitté un note écrit, mm-hmm. pour me dire que, moi, j'étais déjà allé avec elle sous ta qui frappe là. Et moi, j'ai dit que, faut que nous t'a fait réunion pour nous parler de ça. Et puis, moi, je dis le que okay. Je fais. Je ok. Maintenant, sénateur, à plus. Je communique avec lui, même je me communique avec tout le sénateur à travers WhatsApp, là, puisque moi, à la fois, écrit et nous te font voice pour nous expliquer pour qui ça, faut que nous réunions, et puis nous te tout proposé, et jour et heure de réunion. Ok. Maintenant, sénateur Lambert, à plusieurs reprises, là, on m'a dit pour le démissionner, et à plusieurs reprises, il clamait innocence lié, et il dit qu'il est prêt pour aller devant le tribunal pour laver honneur. C'est pratiquement le cas également pour le sénateur Yuri Latortue. Donc, ça t'a vrai fait quoi que le sénateur allait même estimer que l'innocent, innocent, que pas de sectionner lié, et donc, vous pensez que, et malgré appel, ça qu'on fait avec le sénateur Lambert, ça qu'a fait le changer de position pour lui démissionner Jean Mandéa, pour le capable libre pour le défendre de lui? Je n'ai pas dit l'élément de réponse que je ne dois pas avoir à la question, ça, c'est que je ne crois pas aucun sénateur, encore moi-même, capable d'ériger un juge de l'autre sénateur. Je ne juge pas le sénateur Lambert. Je ne juge aucun haïtien. Je ne pas chercher à connaître si le sénateur Lambert en tort ou bien bien raison que si le sénateur Lambert est fait ou bien pas fait, je ne suis pas dans ce niveau, c'est pas travail PAM. Travail PAM, c'est protéger société autant que possible, et travail PAM, c'est protéger corps là, institution et le Sénat autant que possible. Et pour qui ça, l'aide d'émission, nécessaire, c'est parce que le sénateur Lambert obligé de défendre ses filles. Il parlait dans la radio. Et là, il a parlé dans la radio. Ça l'a défendu. C'est pas sénateur qui l'a défendu. Or, moi-même, le rapport que j'ai avec lui, c'est rapport sénateur à sénateur. Et tout notre sénateur, c'est rapport sénateur à sénateur nous gagnons. C'est pour ça que ça, il y a des sénateurs, il y a des députés, il y a des élus. Ils ont immunité dans le cadre de travail pour que ce n'est pas sénateur qui a la justice. Ce n'est pas président qui a la justice. Moun ça qui joigne vote populaire, à partir de vote populaire, les gagner, c'est comme un sacrement, c'est ça que ça fait forcément. Ou c'est un assermenté, divin bagage sacramentel. Donc, à partir du moment où vous obligez à aller devant un juge quelconque, quel sont les juges administratifs, que lycée, un juge ordinaire, tribunal ordinaire, eh bien, ou immédiatement dépouillé de l'immunité. Et à ce titre, c'est poste de président que moi-même, je dois demander pour le quitter. Et c'est fort de cela, de tout ça, M. Boulayo, que deux voix moins, c'est pour nous demander de démissionner, si tant est que, d'ailleurs, il prouvait que lui-même, il n'a pas proposé démission. Et okay. C'est ça que nous avons dit tout dans la réunion.
Ce qui s'est passé, c'est le sénateur Lambert va démissionner à quelques mois de fin législature, ça, ou bien de départ et dernier tiers et sénat. Qu'est-ce qui s'est passé? Sous les subsidiaires questions, hein, à deux mois ou bien à un mois et demi, l'été à un jour, M. Sénat, l'été à deux jours, l'été à trois jours, moi, je n'ai pas gagné le temps matériel pour me demander démission. Vous comprenez? Donc, moi, je pensais que je n'ai toujours fait. Okay. C'est pas une question de délai qui gagne. Nous voilà fini, non. Nous voilà fini, l'institution a toujours été. Oui, mais maintenant, on dit que cela dit, si le sénateur Lambert n'a pas démissionné, je regrette ça pour lui. Je regrette ça pour lui et je regrette ça pour l'autre sénateur, je regrette ça pour la société. Même on espérait que pour sa défense, que l'IPA embarrassé de titre de président. Et maintenant, la fonction du sénateur n'est pas dépendre de moi-même, parce que ça dépend de moi, pour exiger moi Féli, et parce que c'est pas moi-même qui a été sénateur Lambert, en tant que sénateur. Moi-même, président sénat, dans le sens que mon vote interne. Le peuple haïtien, c'est lui-même qui mettait nous sénateurs. Ok, sénateur Zoumon. Gagné plusieurs relais du peuple haïtien. C'est-à-dire, le peuple a parlé dans l'élection, il va parler dans le côté pour lui dire, chaque monde voulait dire que non, c'est pour le sénateur Lambert, oui, c'est président. Oui, c'est pour le sortir, pas bien ça. Mais gagné des relais. C'est pour ça qu'il y a une organisation de la société civile, gagné des partis politiques, etc. Ok, sénateur Zoumon, nous restons quelques minutes pour nous passer ensemble. Et moi, je vais me demander où. Qui différence c'est en termes d'appréhension, en termes de considération, qui gagne de façon côté ouais, arrestation Guy Philippe en 2017, et si même moi m'a fait un défaut, et sanction que États-Unis baille là à sénateur Joseph Lambert. Quelle est la différence selon vous? Puisque je me souviens à l'époque où tu es révolté, où tu es révulsé contre l'arrestation de Guy Philippe comme sénateur élu, même si qui pas de comprendre c'est moi. Non, oubliez, moi, pas de révulsé, pas de révolté. Ok. La résolution a été l'œuvre de qui? La résolution condamnant et l'arrestation de Guy Philippe. Non, faut bien maîtriser son dire. Ou dis moi, révolté. Moi, je songe à l'intervention, où t'es fait, sénateur et Duran. Non, faut pas songer. Faut qu'on gagne. Non, j'aime exprimer moi. Avec exaltation, avec colère, sous arrestation de Philippe. Mes différences qui gagnent. Gagnent un accord qui s'y est entre René Préval et gouvernement américain 17 octobre 1997. Pour permettre que d'y souterrain en Haïti et pour l'Igué doit arrêter haïtien qui vouille drogue, qui fait commerce drogue, de quel que soit côté dans le monde, vers les États-Unis. Et les collaborations, c'est la police, et c'est le ministre de la Justice là pour qui passe la police l'ordre, pour faire la police et dédiée à arrêter un tel, à arrêter plusieurs groupes monde, etc. Moi-même, moi dis-lui avec des officiels américains, particulièrement avec un représentant lié que nous avons rencontré dans un cocktail que l'ambassade américaine a organisé dans une résidence privée, ambassade Grisland. Moi dis au président d'hier, moi parmi mon cap gourmet pour que à quoi ça nous suspend. Même si nous reconnaissons que des faiblesses dans la justice haïtienne. Et faiblesses, c'est pas, bon, faiblesses, ça, sont euphémismes. Et puis, c'est là où dans l'assemblée qui n'a pas existé. Même pas capable de guetter de peur que, même si c'est un crime transnational, que y a une puissance étrangère arrêtée un citoyen haïtien. Et ma
toujours roumé, n'a toujours clamé le devoir du peuple haïtien d'assumer ses responsabilités. Kounia, arrestation de Philippe là, lycée Salia, ça veut dire qu'il a arrêté. Il n'a pas vu arrêter un tel ou un tel sénateur ou bien tel ancien sénateur. Ils ont même qu'à connaître pour qu'ils savent pas faire. Parce que nous, nous avons fils qui est de, pour nous dire, Américain t'es doué, ou bien Américain pas doué, Américain a pris clé, ça fait. Lui, mettez un petit cas pour Haïti, ou contre Haïti, mais la brigue les a fait dit. Donc, moi, observer un bagage. Moi, par contre, si c'est ça, lui, dans la différence de traitement, question drogue là, dans les Américains. Moi, je dis, c'est moi, crois que vous observez un bagage. Moi, crois que les Américains ont fait une différence entre un monde qui fait commerce drogue illicite, fait aller aux États-Unis, alors qui fait, mon fait drogue là entrer aux États-Unis, avec un lot, ou bien plusieurs lots, qui fait commerce drogue, mais qui pas fait commerce directement pour les drogues là aux États-Unis. Ma forme de la vie. Même affaire, mon, n'exagère d'oyo, n'exagère, qu'a kidnappé mon. Américain, yo, clair, trop grossus. Grossus. Yo, si, yo dit, yo perdu, yo te kidnappé 17 moun. Il y a 16 Américains là-dedans. Je dis en Canadien. Et ils ont indexé, comment il est encore là, le mensonge. Ils ont dit, ils ont mis une tête sous eux, ils ont mis prix sous tête. Il y a des gens qui disent, un et ISO. Quand est-il appelé? Moi-même, moi crois, et il y a l'autre monde, moi crois qui croit ça, moi crois. Que Américain yo a traité question moun qui te kidnappé moun ka yo. C'est même gentil, c'est ça que faut ouais, que c'est Américain, que c'est Canadien, et c'est à bon droit. Yo invité yo vini Haïti, yo y a gardé qui côté pour yo mettre pied yo. Parce que c'est pas en Floride qui a problème là. C'est pas en Louisiane qui a problème là. C'est l'autre pays lié. Et c'est une de bagaille que Haïtiens pour qu'on jeune qu'à comprendre et m'éviter pour nous comprendre. Zami, c'est Zami, Zami quand même. Nous pouvons comprendre que pour Américains, mener politique étrangère lié pour nous. Nous pouvons comprendre pour nous espérer que États-Unis pourraient le faire politique agricole lié pour nous. Nous capables, nous devons négocier avec les États-Unis. Nous devons parler avec les États-Unis. Donc, voilà, pour moi, c'est la question, la différence, moi, je crois que je vais avoir différence, non?